Bonjour les amis, de nouveau au bord de l'eau. J'espère que vous allez bien. Nouvelle saison, nouvelle année, nouveau lieu. Comme promis l'année dernière, je vous avais promis que j'essaierais de bouger un peu, de voir autre chose. Donc ça y est, depuis le 2 janvier, j'ai acheté mon permis. Depuis 8 ans que j'avais pas repris de permis de pêche. Me revoici dans le domaine public. Donc gare à vous les poissons, j'arrive. Non, je plaisante. Dans une APPMA, l'APPMA de Pont-Audemer. C'est une ancienne, il y a plusieurs plans d'eau, il y en a à peu près 8 ou 9 plans d'eau en fait qui ont servi à construire l'autoroute A13 pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui prennent la route Paris pour aller en Bretagne. Donc il y a eu quand même tout le long de cette autoroute pas mal de ballastières qui ont été creusées pour récupérer du sable et du caillou. Donc les pêcheurs, les gens du coin en profitent, hein. Donc il y a un beau centre, un beau centre de pêche pour une APPMA, hein. Donc, vous avez plusieurs plans d'eau, donc là on est sur un carpodrome, aménagé carpodrome. Il y a de la carpe bien sûr, mais il y a tout poisson. Par contre, c'est dans le règlement en fait no kill, c'est-à-dire poisson, on remet tous les poissons à l'eau. C'est les mêmes règlements qu'on a dans les carpodromes privés, donc beau et chien interdite, enfin c'est puis tapis de réception conseillé. Enfin, c'est dans le but du respect de poissons. Moi, c'est ce que je recherche aussi un peu dans, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est ce que je recherche chez le soin du poisson. Voilà, on peut toujours en discuter, mais moi c'est ma religion à moi, quoi. Voilà, donc on est sur un carpodrome d'un hectare 7 qui a à peu près, ce que me disait Olivier tout à l'heure, il y a à peu près du fond, parce que moi je le découvre, hein, c'est la première fois que je viens, il y a 2,50 m, c'est à peu près plat partout, quoi. Il y a une forte population en carpe, on va dire. Des poissons, ce qui est marqué dans le bouquin, c'est des poissons de 1 à 6 kg, mais comme disait Olivier, il y a des beaux spécimens aussi à faire en belle saison, quoi. Donc il y a des surprises à faire. Donc ça se pratique aussi bien au feeder, au kiver, enfin en open, quoi. La pêche de bordure s'y prête bien. Et j'ai constaté quand même qu'il y a pas mal d'arbres immergés. Bon, des pêches de bordure, je pense que vous aurez l'occasion de revoir des vidéos sur ce plan d'eau en belle saison. Bon, c'est pas trop loin de chez moi, c'est à 50 minutes, quoi. Voilà, voilà pour la présentation du site. Maintenant, concernant la pêche, donc là, j'étais parti pour vous faire une pêche au pain. Donc ça fait 15 jours, 3 semaines que je regarde un peu des vidéos de nos amis anglais qui pêchent beaucoup au pain. C'est vrai que je trouve que c'est une pêche qui ne se pratique pas beaucoup en France. C'est un peu dommage, surtout en période hivernale. C'est vraiment l'endroit, le meilleur moment pour l'utiliser. Néanmoins, je pense que ma stratégie d'aujourd'hui n'est pas forcément la bonne. Par contre, mon collègue Olivier qui est avec moi, qui est juste à côté, qui bah, depuis tout à l'heure s'amuse bien, lui il a du poisson sur son cou, et insiste avec la préparation que j'ai fait. Bon, on a les poissons, il a quand même un peu moins de touches,
Après, il faut trouver le bon mouillage, parce que pourquoi? Tout simplement, on pêche dans 2,50 m d'eau. J'avais pas trop mouillé mon pain tout à l'heure. Le contact de l'eau, il éclatait et du coup, j'avais rien au fond, quoi. Moi, ma première étape, c'est d'essayer de localiser un peu le poisson. Et si j'arrive à avoir du poisson, des touches régulières, je recommencerai au pain, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être bénéfice et qui doit marcher. De toute façon, en plus, c'est un appât pauvre. Voilà, donc pour l'instant, j'ai enfin sauvé. J'ai fait mon premier poisson de l'année. J'ai ouvert les compteurs, je suis content. En fait, j'étais déjà en train d'installer le matériel vidéo. Vous le verrez dans le début de la vidéo qu'il sortait déjà ses premières cartes. Donc, c'est un pêcheur très actif et très rapide. Il n'a pas beaucoup de matériel installé. Et voilà, et un départ en direct. Ça, c'est cool. Merci la carpe. Donc, c'est cool. Donc, j'étais en train de dire, j'aime bien prendre mon temps, je suis pas pressé, de toute façon, pas de compétition, c'est juste du plaisir et du partage. Et c'est sympa pour commencer, hein, un départ en direct au feeder. Je suis sur une canne là, je suis sur ma canne Preston, la Monster, vous connaissez, hein, vous la voyez assez souvent dans mes pêches feeder. Et j'ai ma Diver un peu plus longue, en 3,90 m pour pêcher à 50 mètres. Difficulté quand vous pêchez dans des plans d'eau comme ça où il y a on a une berge en face, mais c'est de trouver des repères et essayer d'être assez précis, quoi, façon de parler. Mais moi je sais qu'au feeder, je suis pas très très précis, mais d'essayer d'avoir un repère visuel. Donc là j'en ai trouvé un, j'ai ma distance, j'ai clippé mon fil. Et là on va essayer de répéter plusieurs fois pour essayer de venir le poisson. Là je suis content parce que ça fait deux poissons en 10 minutes alors que ça faisait une heure et demie que j'attendais les touches. Voilà, bon, je m'occupe du poisson et on continue. Voilà une petite carpe, je pense, qui a été empoisonnée l'année dernière. C'est des petits carpeaux. Voilà, je vous les montre. Voilà, petit sympathique. Ça fait de la touche. Bon, ça se voit que l'eau est froide parce que le poisson est froid. Hein. Un petit break vidéo pour vous dire où on en est. Donc là, ça va faire quoi? Pour moi, ça fait 2h30, presque 3h que je pêche. Pour Olivier qui va plus vite que moi, lui, ça fait pas loin de 4h. C'est calmé d'un seul coup, sauf que il vient de faire un départ en direct au moment que j'ai démarré la caméra. Donc c'est assez difficile quand même, ce qui est un peu normal. Hein. La difficulté, je pense, c'est de localiser le poisson. On doit avoir des bancs de poissons qui sont localisés à un endroit, qui mangent. Et une fois qu'ils... on ne sait pas ce qui peut se passer, où ils se déplacent et ils ne sont plus sur le spot. Donc la difficulté, c'est de retrouver les poissons. Donc Olivier a tiré un peu plus vers la gauche. Sur la même distance, à peu près à 30-35 mètres, moi j'ai allongé à peu près à 50 mètres pour voir si le poisson n'était pas parti plus vers le centre du plan d'eau. Et pour l'instant, c'est calmé. Bon, on a des petites touches, des petites tirettes, mais ça relâche tout de suite, quoi. Donc c'est le poisson qui passe dans le fil. Bon, après, on va pas se plaindre. Hein. Faire un peu de touche au mois de janvier, c'est sympa quand même. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais parti normalement pour faire une approche de pêche au pain. Je pense que il faut que je revoie un peu ma stratégie en termes de préparation du pain, parce que dans des hautes profondeurs, là on a quand même 2,50 m. Je ne suis pas certain que quand mon feeder il est. Déjà vous avez l'impact du méthode sur l'eau, puis après le temps de la descente, que j'ai encore de l'appât au fond pour pêcher correctement. Donc il faudra que je revoie un petit peu ma préparation, mais ça c'est normal. Et puis l'essayer aussi ailleurs, c'est pas parce que ça n'a pas marché ici que ça marchera pas ailleurs. Ça peut être un appât intéressant à essayer, surtout l'hiver, le pain, faut pas négliger, quoi. La pêche au pain, c'est pas pratiqué beaucoup par chez nous. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément des plans d'eau qui s'y prêtent, comme en Angleterre où ils ont des plans d'eau un peu profonds, entre 50 et 1,20 m. Donc c'est vrai que ça s'y prête plus facile, pour pêcher aux méthodes. Mais néanmoins, je pense que il y a quand même la possibilité de pouvoir pêcher correctement au pain d'hiver, quoi. Donc les appâts, donc là je pêche des dumbbells, là c'est des chocolats orange, et j'ai aussi en danse, j'utilise aussi les dumbbells de Fish and Feed. Alors, là c'est basse crème, mais bon, on peut aussi utiliser du carnet l'hiver, c'est intéressant, et du salsa, tout ce qui est à base d'épices. Et en amorce, donc là c'est orange chocolat. Et là j'ai mon pain qui est en train de sécher, mais j'ai utilisé aussi tout à l'heure. Voilà l'approche pour le moment. Bon écoutez, en espérant qu'on se retrouve tout à l'heure avec quelques combats. On a quelques poissons quand même qui passent dans le fil. Bon, j'ai rapproché un peu ma ligne. Là je suis revenu à 35-40 mètres. Et là enfin une touche et un départ, ça fait du bien. Commencez à s'inquiéter. Un poisson un petit peu plus gros de ce que vous avez vu tout à l'heure, je suppose, on verra si j'arrive à la mettre dans l'épuisette. Ouais, c'est un peu plus gros, mais c'est pas un monstre non plus, mais c'est un poisson.
surtout dans cette période, tout est bon à prendre. Et hop, c'est dans la boîte. Ça remonte un peu la moyenne. Voilà les amis, joli petit poisson d'hiver, pris au dumbbell, décollé du fond. Ouais. Allez, vous. Alors du coup, pour le principe, donc là j'utilise un badine préparé de chez Preston. C'est ce qu'ils vendent avec le système de vrille. Je vous ai déjà montré ça dans une des dernières des vidéos. Donc ce qui est pratique. Donc l'avantage c'est que vous pouvez venir facilement. Bon, je trouve que c'est un peu plus discret, on va dire, pour ceux qui sont un peu maniaques de la présentation. Une bague plastique qu'on peut utiliser normalement. Voilà, petite présentation. Voilà, j'ai récupéré le dumbbell que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est encore bon pour pêcher une fois. Et après, le système de méthode. Donc moi je commence par mettre un peu de mix dans mon moule. Je viens enfoncer mon dumbbell avec mon hameçon au milieu. Je remets un peu de mix de façon à éviter que le dumbbell soit coincé dans les renforts du méthode. Voilà. Voilà la présentation une fois terminée. Donc moi c'est caché. Je sais qu'il y a certains pêcheurs qui ont tendance à laisser leur dumbbell présent. Moi j'enfonce carrément dedans. Il n'y a pas de problème, ça marche. Et une fois que ça va être dans l'eau, ça va se désagréger au contact de l'eau et le dumbbell va partir en surface et je vais retrouver mon montage qui va être juste au-dessus de mon méthode, comme ça. Voilà. Donc là, je choisis un arbre en face de moi. Voilà. Alors, je suis à peu près à 35 mètres. Là, je descends, je laisse descendre mon méthode. Et une fois que c'est descendu, je coupe ma bannière. Voilà, ça met un peu de temps quand même parce qu'il y a de la profondeur. Malgré que j'ai un fil normalement qui est fait pour pêcher au feeder, donc qui est à un pouvoir normalement coulant. Voilà, ça y est, toc, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Et puis voilà, acquisition 2020. Mon dos me dit merci. Le siège que j'attendais depuis un moment sur la station, ma station Preston que j'ai moi, ça va bientôt faire 9 ans que je l'ai. Et c'est vrai que toutes les stations qui sont sorties dernièrement avaient la possibilité d'adapter un siège feeder ou même pour pêcher en canne de bordure, c'est très pratique. Et là je viens de l'acheter là et franchement c'est super confortable et mon dos est content quoi. Donc moi qui pêche beaucoup en fait en canne de bordure ou au feeder, je pêche pas beaucoup à la canne de 13 mètres, c'est très très pratique. On a la possibilité de tourner, c'est une souplesse et tout, c'est vachement bien. Là, j'ai l'impression d'avoir de l'activité sur ma ligne. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout à l'heure, les amis, pour, j'espère, un autre poisson. Bon, bah, les amis, ça continue. Deux poissons, même pas l'espace de 5 minutes. Donc, c'est cool. Les poissons sont revenus. Donc, c'est bien ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est des bancs qui passent, en fait. Donc là, j'ai le banc de poisson qui est sur le coup que je suis en train de pêcher aux méthodes, là, à 35 mètres. Vous avez vu où j'ai lancé. Encore un beau poisson. Une boule. Voilà, joli poisson.
magnifique, voilà, qui fait ses 3 kg je pense. On va pas les peser, mais hop, c'est parti, allez, on continue. Bon bah les amis, cinquième carpe, j'étais en train de voir un peu la stratégie, parce que ça s'était calmé. Et j'ai envie de monter une cage avec un bas de ligne et essayer au pain. Parce que bon, de toute façon, là, mon but c'était de pêcher au pain aujourd'hui. Un petit carpeau de l'année dernière, ça. Bah, c'est un rempoissonnement de l'année dernière, ça. Allez mademoiselle, il n'y a plus qu'à aller grandir. Hop. Bon bah les amis, là je suis au pain toujours. Sur un cheveu, et en fait c'est ce qui donne un peu de résultat, on va dire. Enfin, c'est pas non plus l'euphorie. Enfin, faut pas oublier quand même qu'on est en début de saison, on est au mois de janvier, mais d'avoir monté une cage et mis un cheveu avec du pain, là je fais mon troisième poisson avec cette technique. Un joli petit combat. Et hop, yes. Hop. Joli petit poisson. Sympathique. Hop, allez, prendre de risques. Voilà. Alors pour le pain, donc là un conseil, c'est ce que j'ai vu sur les mettre dans un sac prévu avec un zip pour garder la fraîcheur du pain de mie. Parce que sinon on va avoir tendance à sécher en le laissant sur là. La tablette, chasser l'air, voilà. Ensuite un emporte-pièce, tout simplement. Donc là c'est pas compliqué. Alors, je conseille, c'est de prendre une petite tablette pour faciliter la réalisation de l'appât. Moi j'en mets deux, on presse un petit peu avec mon doigt, pas trop, donc ça fait ça. Et ensuite, sur le cheveu, à l'aide de l'aiguille, là vous avez un petit artifice, c'est une petite tétine, en fait un arrêtoir, hein, comme utilise les carpistes pour les bouillettes, à l'aide d'une aiguille. Donc ça c'est là, la présentation. Donc en fait c'est du pain monté sur un cheveu, tout simplement. Et là je me suis pas embêté, c'est pas moi qui les ai montés, hein, je sais le faire, mais là j'ai acheté des montages quorum avec les tétines tout adaptées. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite après c'est pareil, hein. Je prends un peu d'amorce qui m'a servi pour le méthode, je prends du pain, ma mixture là, à la présentation, tout simplement. Il n'y a plus qu'à. Bon bah les amis, le pain continue. C'est pas un gros poisson, mais c'est bien. Petit poisson. Voilà. Un petit poisson de l'année dernière, empoisonnement. Allez, zou.
Bon bah les amis, la soirée s'approche, la session se termine, la journée de pêche va se terminer. Une journée sympathique quand même, hein, pour découverte d'un nouveau plan d'eau. Je passais un agréable moment au bord de l'eau avec mon collègue Olivier. Un peu plus difficile, enfin ça a été un peu le résumé de la journée en fait. Hein. On touche 2-3 poissons en intervalle de 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on est pendant une heure et demie sans faire de fiche. Donc je pense que c'est des bancs qui passent et qui tapent dedans une fois que le banc a tout bouffé, a tout mangé la nourriture dans le coin, et il va dans un autre secteur. Voilà, voilà. Enfin, j'espère que ce petit film vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Pour les gens qui découvrent cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre en cliquant sur s'abonner, et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos qui sont postées sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao les amis. Vos impressions? Je suis dépité. C'est la pêche.